Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Rétro vers le Remake. Aujourd'hui, deuxième épisode. Pour le coup, on accueille un spécialiste du jeu auquel on joue, le jeu qui n'est autre que Final Fantasy VII. Sano, comment ça va? Salut! Bah écoute, ça va très bien, merci. Alors spécialiste, c'est peut-être un petit peu poussé. Un gros fan, on va dire, surtout. Parce que bon, les spécialistes sont ceux qui sont dans la presse, qui connaissent les gens qui développent et qui écrivent des bouquins sur le sujet, ce qui n'est quand même pas encore mon cas. Qui est le réalisateur de ce Final Fantasy VII? Alors c'est Hironobu Sakaguchi qui Bon, est voilà, l'auteur de c'est Final un Fantasy VII. spécialiste. Déjà, pour sortir ce genre d'infos, moi, comme je te disais précédemment, les seuls rapports que j'ai eu avec Final Fantasy, c'est d'avoir à acheter le 7 donc, à 4 € sur un Là, tu vois, vide-grenier. ça s'affiche là, Ah, sur ton écran. ouais, Voilà. et d'avoir regardé Final Fantasy, le film The Spirit Within. Voilà, bon, allez, sans plus tarder, on va commencer. On est là pour 1 h 30 de Final Fantasy, peut-être même un peu plus, tu me disais. Bah, écoute, on verra ce qu'on a à dire. En tout cas, pour le coup. Là, on est donc sur la vidéo d'introduction qui est quand même très sobre. Côté PS5, du coup, là, je suis déjà à l'écran d'après, mais l'écran principal est très sobre également. Donc, ça change un peu plus tard avec les autres Final Fantasy, où on a des cinématiques d'introduction. D'ailleurs, sur Super Nintendo, Final Fantasy 6 avait déjà une espèce de cinématique d'introduction, en tout cas une animation d'introduction. Donc là, on est sur quelque chose de très simple. Et puis là, du coup, bah, on va passer à l'écran de démarrage, on va dire. Je vais te laisser Ok, avancer. allez, ça y est, ça fonctionne. J'ai récupéré mes boutons. Ou pas, ouais, voilà. Allez, new game. Alors pour l'instant, on entend le son du PlayStation Remake. Alors la connexion est un peu mauvaise, pour ça que le son est pas foufou. On passera après au son de la Play 1. Donc ce remake, Alors toi, oui. il a été annoncé en quelle année? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que il... Alors, il a été annoncé J'ai lancé de mon avant côté, la hein. sortie de Final Fantasy XV. Alors oui, moi j'ai plusieurs types de trucs en fait. J'ai plusieurs niveaux et tout ça, ce que Fredo n'a pas de son côté. Donc je peux jouer en facile classique et normal classique, qui en fait revient un petit peu au tour par tour. Et le normal, c'est ce que je vais choisir, on me permet tout simplement de jouer avec les contrôles prévus pour le remake, qui sont un petit peu différents, plus orientés action. Et quand on termine le jeu, on a également accès à un mode difficile. Voilà, donc là c'est ma version PS5, donc comme je l'avais déjà fait sur PS4, je ne l'ai pas forcément entièrement refait sur PS5. Voilà, donc on va avoir les deux cinématiques un petit peu décalées, hein, vous n'en voudrez pas. Donc la cinématique d'intro chez l'original, chez Fredo, commence sur une nuit étoilée, puis on plonge dans Midgar. Là c'est un petit peu différent côté remake, on commence par la zone qui entoure Midgar, qui est désertique. Pour certaines raisons qu'on évoquera plus tard. Et on suit donc un oiseau qui va survoler la ville. Donc on est sur deux choses différentes, hein, puisque du coup il ne fait pas nuit là, on est en pleine journée, contrairement à ton côté. Et surtout, on a vu un per on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais on a vu un perso qui pourrait être jouable. Oui, tout à fait. Donc, mais on voit aussi ce personnage-là dans l'introduction normale. D'accord, ah, t'aurais dû me dire, j'aurais dû démarrer un petit peu plus tard. Non, mais c'est pas grave. Donc là, surtout, en fait, on voit que la vidéo insiste sur la vie qui se passe dans Midgar. On retrouve aussi les enfants qui sont au centre de Final Fantasy VII et qui sont en fait tout simplement une référence un film qui est sorti a posteriori sur Final Fantasy VII qui s'appelle Advent Children, exactement. Donc puisqu'il y a une connexion assez importante avec le cours de la vie. Hein. Voilà, donc là on voit un réacteur qui draine l'énergie Mako. On expliquera plus tard ce que c'est que l'énergie Mako. Et ici on rejoint
le début de ta cinématique d'introduction à toi sur cette nuit étoilée. Le personnage dont on parlait tout à l'heure. Donc, Aerith, c'est ça ? Aerith, exactement. J'ai un petit peu de connaissances de finale. Voilà, un personnage clé de l'histoire. Donc, voilà, hein, voilà le gap technologique accompli. Donc, Final Fantasy VII, c'est 1997, si je ne me trompe pas. Et là, on est en 2020. Pour Final Fantasy VII Remake, je dirais même peut-être 2019, puisque c'était le premier confinement quand je l'ai fait sur PS4. Donc 22 ans plus tard, 22 ans plus tard, on peut dire qu'on a accompli de sacrés progrès en 3D et en animation. Après là on est après là on est sur une cinématique, c'est pas fait avec le moteur du jeu, et Square à l'époque était quand même extrêmement doué pour les cinématiques. Moi je me rappelle, je jouais sur PC un petit peu, et je veux dire les seuls qui leur arrivaient à la cheville c'était Blizzard. Ah mais complètement. Alors il faut savoir que Square Enix en fait dès l'arrivée de la 3D, achète des stations Silicon Graphics pour travailler sur ces jeux. Donc les stations de travail Silicon Graphics, c'est ce qui se fait de mieux en station de travail 3D à l'époque. Et donc du coup, travaille sur ces stations-là pour faire le rendu de ces environnements, faire le rendu de ces personnages. Final Fantasy VII sort sur PlayStation, puis un an plus tard sur PC. J'ai la version PC avec moi qui m'a été justement offerte par Lolo, c'est sa version d'époque que j'ai avec moi ici, je sais pas si on la voit bien. Ouais, alors j'ai une question, est-ce qu'elle est blistée ? Alors elle n'est pas blistée. Parce que juste pour le clin d'œil, moi j'ai Metal Gear Solid PC blisté. Voilà. Cette version de Final Fantasy VII PC propose à l'époque des graphismes un peu plus poussés. Voilà, les décors sont semblables, mais ce sont les polygones en fait des personnages qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus propres, en particulier pendant les combats. Donc il y a vraiment un gap de puissance entre ce qui est proposé sur PlayStation et sur PC déjà à l'époque. C'est la petite différence. Je crois que la traduction est peut-être un peu plus propre aussi sur la version PC d'époque. Parce qu'il faut savoir que la traduction d'époque sur PlayStation en français est une catastrophe. Hein. Je ne sais pas. Non, j'ai envoyé le son. Ouais, le son, ouais, je vais un peu le diminuer parce que c'est un poil fort. Non, parce que en fait moi je n'enregistre que le son du jeu chez moi. D'accord. Voilà, donc ici voilà première scène, là on arrive en jeu, donc là c'est le moteur du jeu. Version PS5 de mon côté, alors en 80p parce que on est en stream et que je peux pas capturer de la 4K. J'ai pas l'épée moi dans le dos. Mince, faut que j'arrête d'appuyer sur triangle. Alors effectivement, toi tu n'as pas l'épée dans le dos, puisque on ne voit pas les armes toi dans le côté exploration. Et surtout, tu as vu le personnage de Barrette était de l'autre côté de la rue, de ton côté. Et tu as également deux gardes qui ont été tués par Cloud et Barrette dès le début du jeu, dont le cadavre est sur le bord du train, là, sur le quai. Alors que moi, les gardes ne sont pas n'ont pas été exécutés dès la sortie du train. Donc voilà, là je vais m'avancer. Et les gardes vont arriver, donc je vais avoir mon premier combat contre ces gardes-là. Et toi, les gardes vont arriver ici. Voilà. Voilà. Donc là... Donc là, on va m'expliquer comment ça fonctionne de ton côté également. Non, on va pas m'expliquer justement. Ah oui, mais toi, t'as ce qu'on appelle l'ATB, l'Active Time Battle, où t'as donc une barre de jauge de temps qui se remplit.
et à chaque fois qu'elle est pleine, tu vas pouvoir effectuer une action. Ah mais c'est tellement, c'est tellement, enfin moi c'est tellement grisant quoi, je... C'est, je... Ouais. Non, moi je veux attaquer les gens, c'est tout, je veux pas attendre. C'est pour ça que les finales, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et bah du coup le remake t'apportera peut-être la solution, puisque justement il est orienté un peu plus action comme tu viens de le voir. Donc moi j'ai un bouton d'attaque qui est le bouton carré qui va me permettre justement de faire monter cette jauge d'ATB. Et quand elle sera pleine, je pourrai utiliser des actions spéciales ou des sorts. Voilà, toi de ton côté, tu as également une barre de limite qui apparaît. La barre de limite, c'est un peu comme une furie. Une fois qu'elle est pleine, tu vas pouvoir faire des attaques spéciales. Donc là, je vois que tu te balades aussi dans le menu. On verra ça un peu plus tard. Ah, attends, je vais essayer de te rejoindre. Voilà, donc moi, j'ai un petit peu plus de mise en scène de mon côté, forcément. Ah, c'est... Voilà, hein, on a un aspect cinématique. Donc voilà, là on m'explique comment fonctionne la jauge ATB. Donc j'ai deux barres de jauge ATB que je vais pouvoir remplir. Et mes actions vont me coûter une ou deux barres d'ATB au fur et à mesure que je vais me battre. Donc en fait, de ce que voilà, j'en ai... Je vais avoir aussi une esquive. Là, je vais pas activer, mais... Donc voilà, là il m'explique que je peux utiliser des compétences avec ma jauge d'ATB. C'est pas forcément hyper évident. Voilà, donc quand j'appuie sur le bouton pour les compétences, je vais pouvoir aller choisir ma compétence ici pour aller taper le garde. Voilà, et le finir. Donc je vais avoir des items qui vont apparaître. Et là, on m'explique donc aussi le menu. Et on m'explique aussi que quand j'ai un icône avec deux flèches au sol, je vais pouvoir avoir une action avec le décor. Notamment passer par-dessus les barrières ici. Donc voilà, je vais aller dans le menu aussi. Alors, est-ce que tu peux renommer les personnages, toi aussi ? Alors non, je n'ai pas la possibilité de renommer les personnages. Donc voilà, mon menu à moi est un petit peu plus classe. On va voir les différents personnages. Je vais avoir ici donc tous les éléments de menu qui vont apparaître. Donc de ce que j'en ai compris, Claude en tout cas est un mercenaire qui a été engagé. Voilà, alors c'est un mercenaire et plus précisément un ex-soldat ou soldier en anglais. Alors, on dit le soldat, c'est pas le métier de soldat à proprement parler. C'est en fait un corps de combattants d'élite appartenant à la Shinra. La Shinra qui est une compagnie électrique qui a tout simplement pris la mainmise sur le monde par sa maîtrise de l'énergie. Et qui utilise des chiens léopards, des chiens mutants comme... On en saura plus là-dessus un peu plus tard. Ah ouais, ah là t'es en train de me teaser. Et moi ça reste quand même un très grand regret de ne jamais avoir joué à ce jeu. Voilà, donc là on m'explique qu'il y a des coffres, que dans les coffres je vais trouver des trucs, donc en appuyant sur triangle je vais ouvrir mes coffres. Voilà, donc là je viens de récupérer deux potions. Les potions, c'est ce qui me permet de récupérer de la HP. La HP, c'est ma jauge de vie, donc ça me permet tout simplement de me guérir. Alors, toi qui connais, je pense, bien FF7, tu me dis si je vais trop vite ou trop ou pas assez par rapport à toi, peut-être. Je pense que t'es un petit peu plus avant parce que ouais. les zones sont beaucoup plus petites de ton côté. Ok, et moi le didacticiel est un petit peu plus long, forcément. Donc là, on m'explique que je peux aussi casser des caisses pour récupérer des éléments, comme ceci. Voilà, donc là, dans les caisses, je vais retrouver des éléments. Je me prends des coups de tonfa. Ouais. Du coup, je vais pexer un peu de mon côté. Voilà, donc là, on a un personnage aussi qui est Jesse, qui explique justement, effectivement, que... Cloud est un mercenaire. Il ne fait donc plus partie de ce corps d'élite qu'est le soldat, il vend ses services à différents clients, et là en l'occurrence le client s'appelle Avalanche, et c'est un peu comme Greenpeace, ce sont des activistes écologiques
dont le but est tout simplement de sauver la planète. On expliquera plus en détail, mais en gros, ce sont salauds écologistes, des activistes terroristes, quoi. Ah ouais, quand même. C'est comme Greenpeace. Il me semble pas que Greenpeace soit. T'as des trucs comme ça. Il y en a d'autres, hein. Oui, oui, mais justement, mais Greenpeace, il me semble pas. Si, il y a eu des trucs. Le Rainbow Warrior, si tu nous entends. Si vous comprenez cette blague, vous êtes vieux. Voilà, donc ta barre de limite, elle va se remplir selon certaines actions. Tu as plusieurs façons de la remplir. Il y a des configurations à faire. Et donc tu vas pouvoir choisir de faire monter ta barre de limite selon plusieurs critères. Là, en l'occurrence, au départ, c'est chaque fois que tu prends un coup qu'elle va monter. Là, j'avance du coup ou... Oui, vas-y, avance. Ok, en fait. Ok. Donc voilà, là, le personnage qu'on voit, Barrett, c'est mon client, c'est lui qui me paye. C'est l'équivalent de Barry Burton. C'est le chef d'Avalanche. Pour moi, c'est Barry Burton de Resident Evil qui a trouvé un second rôle. Donc voilà, là, mon objectif m'est montré, c'est un réacteur Mako. La Mako, c'est l'énergie transformée, en fait, de la planète. Cette énergie qui va nous alimenter en électricité, etc. Ah, du coup, on retrouve le même chien guépard. Exactement. Donc, le bestiaire est le même. Voilà, il y a peut-être quelques monstres qui ont été ajoutés dans le remake. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Alors, je crois que Barry a rejoint, entre guillemets, mon équipe et que je vais pouvoir, du coup... Barrett. Barry. Oh, ça va être affreux, je vais pas arrêter de dire Barry. Hein. Barry Allen. Alors, je vais avancer aussi de mon côté. Voilà, donc là, tout le monde va se barrer. Est-ce qu'il faut que j'appuie je crois que j'ai trouvé un coffre. Ok, bon, bah, ça répond à ma question. J'ai trouvé un Phoenix Down. Alors, ce que tu as, ce qui s'appelle un Phoenix Down chez toi, c'est ce qu'on appelle en français une plume de phénix. Plume de phénix, c'est ce qui te permet de ressusciter un de tes personnages s'il décède. Ok. Voilà, c'est fort pratique. Voilà. Alors, toi, tes ennemis n'ont qu'une barre de vie. Donc, une fois que tu les éclates, c'est terminé. Moi, en plus de la barre de vie, il y a une petite barre orange en dessous qui se remplit. C'est une barre de critique, en fait. Si, une fois que je casse cette barre, je vais faire beaucoup plus mal à l'ennemi. On le verra notamment sur les boss. Attends, je vais peut-être me mettre une petite potion parce que j'ai pris un petit peu cher là sur ce combat. Alors toujours, dis-moi si je m'arrête un peu, si... Donc là, pour l'instant, je vais te demander de m'arrêter, de m'attendre un peu. Ok, à la sortie de l'ascenseur, ce que je vais faire, c'est que je vais pexer, du coup. Jika qui me dit dommage pour une fois, c'est un jeu que j'adore. Jika, tu verras le replay demain. Et puis au pire, je referai peut-être un peu des lives sur FF7. J'ai l'impression... J'ai l'impression que ça t'a retenu envie de FF, non ? Non, en fait, si tu veux, là, pour te dire, sur FF7 Remake, j'ai quelque chose comme 130 heures de jeu. Voilà, donc pour te dire que je l'ai quand même bien poncé, quoi. Je crois que je suis retourné à l'ascenseur, enfin là où je... Oui, non, donc... Attends, je vais avancer de mon côté aussi. Voilà, là j'ai un interrupteur à activer.
Voilà, alors, parmi les personnes qui ont réalisé ce FF, il y a notamment donc, des personnes qui sont là sur Final Fantasy depuis le début, et il y a des personnes en fait qui sont montées en grade sur, sur ce Final Fantasy, et le changement majeur, c'est au niveau de la DA en fait. Jusque Final Fantasy VI, Square Enix faisait appel à un artiste en consultant, un artiste qui s'appelle Yoshitaka Amano, qui est un grand, grand, grand artiste japonais, qui a fait donc les designs pour les Final Fantasy du 1 au 6, avec un style qui se rapproche un petit peu de ce que fait pour les amateurs d'art de Gustav Klimt. Voilà, il fait des choses très or, noir, voilà, avec des traits. C'est un univers assez onirique, en fait. Et surtout, le. Tu mets. Enfin, moi, je trouve que tu mets 10 planches de dessin qui se ressemblent un peu. Tu sais que ça, c'est un dessin de Yoshitaka Amano. Je trouve qu'il a vraiment un style qui est très particulier, à part. C'est un grand artiste japonais de notre temps, hein. Vraiment. Il a fait des choses incroyables, il a fait des choses en animation totalement dingues. Il y a eu plusieurs expositions en France, à New York, aux États-Unis donc, et partout dans le monde. Il a notamment travaillé, Yoshitaka Amano, sur des comics Wolverine et Elektra. Ça, ceux qui s'y connaissent en comics. Alors c'est sûr qu'en plus, et comment s'appelle Elektra, il y a souvent des passages où elle est, ou même Wolverine, il y a des passages où il est au Japon, donc ça doit être. Voilà, et donc du coup, Yoshitaka Amano fait partie des artistes japonais qui ont travaillé sur ces comics spécifiques là. Donc voilà, et donc notamment en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de le rencontrer assez jeune. C'est moi qui étais jeune, pas lui. Ah si, il était aussi jeune. Bah, il était plus jeune que maintenant, ça c'est sûr. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Ah ouais, ouais. Voilà. Parce que... Donc, c'était en 2001, dans une petite ville du sud de la France qui s'appelle Cavalaire-sur-Mer, où il y avait une exposition extrêmement confidentielle. Où il était venu présenter certains de ses travaux. À l'époque, le dernier travail qu'il avait réalisé, c'était notamment la map monde de Final Fantasy 11. Mais je. C'était un travail gargantuesque. Énorme, qui prenait tout un pan de mur de plusieurs mètres. Enfin, c'était vraiment un truc de dingue. En fait, il n'y avait personne sur cette expo. Donc on a eu l'occasion de l'avoir à notre disposition avec une traductrice pendant près d'une demi-heure. Alors, je suis en train de faire un raffut de tous les diables. J'entends. Mais c'est parce que j'ai un Final Fantasy SNES dédicacé par Amano. Waterworld, ce n'est évidemment pas ça. Si tu veux, je sors le mien. Hein. Ah ouais, bah écoute, pour avoir la signature. Mais en fait, je fais ça parce que toi, t'es en avance, t'es en retard dans le jeu. Oui, je vais arriver d'ici pas très longtemps, normalement. Là, je vais arriver sur l'ascenseur. Voilà, Eric qui va m'ouvrir. Cantona, ce n'est pas ça. Alors attends, si tu me laisses 2 minutes, je vais même te montrer un truc encore mieux que ça. Non, du coup, je l'aurais pas. J'ai quelque part, du coup. Laisse-moi 2 minutes, ça ne fait pas partie des livres que j'avais mis de côté, mais puisqu'on parle de Yoshitaka Amano, même si on y viendra plus tard, du coup, Yoshitaka Amano n'a pas grand-chose à voir avec FF7, même s'il a fait des concept arts. Donc, il y a quelques concept arts qu'il a fait, et notamment le logo. On lui doit toujours tous les logos des Final Fantasy, c'est toujours lui. Moi, je suis pas fan des finales, mais c'est vrai que j'adore en fait le fait. Les logos se ressemblent tous, mais sont tous différents, quoi. C'est. Alors, je vais rapidement aller chercher un petit. Allez, vas-y. Pendant ce temps-là, je pex. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est, je. En fait, c'est en train de me plaire. C'est. Je pense qu'il y a aussi le côté stratégie qui doit être.
qui doit après être enfin beaucoup entré en compte. Il y a aussi une chose, j'ai un peu peur. En fait, est-ce qu'il suffit de pexer et après on peut rouler sur le jeu comme presque aussi agréable, mais. Alors. Voilà. Donc je suis revenu avec l'artbook que j'ai acheté le jour où j'ai rencontré Yoshitaka Amano à Cavalaire-sur-Mer, que vous voyez là. Donc c'est un artbook qui traite de son travail sur Final Fantasy depuis le premier jusqu'au 6. Voilà, donc en couverture c'est Terra de Final Fantasy 7 qui est représenté. Voilà, et donc ce jour-là, Yoshitaka Amano a réalisé pour moi ce dessin ici de Terra sur la couverture. Sur la troisième de couverture qui est ici. Voilà, je sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Voilà, donc très 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 belle journée. J'ai même pu un petit peu abuser puisque j'ai aussi fait dédicacer Final Fantasy Anthologie de nouveau sur PS1 qui est là. Voilà. Il y en a quelques autres, mais je vais pas tout vous montrer les... Alors ça y est, là je déclenche ma limite. Je vois. Comme ça on verra, je pense que toi aussi de ton côté tu vas pouvoir la déclencher un moment. Et d'ici pas longtemps, ouais. Voilà, et donc du coup en fait, ce qui change par rapport à Yoshitaka Amano qui est à la base le main designer de tous les personnages côté héros et qui est aussi... qui était le monster designer des premiers épisodes, mais ça a évolué petit à petit au fur et à mesure des épisodes. Donc sur Final Fantasy 5 et 6, on a personne qui monte, qui s'appelle Tetsuya Nomura, et qui était à la base monster designer, puis qui commence à être... Il y a plein d'autres choses sur Yoshitaka Amano que je pourrais vous raconter, mais c'est pas le sujet, on en parlera si on fait un autre Final Fantasy pour le coup. Sur Tetsuya Nomura, donc il fait d'abord Monster Designer, dans Final Fantasy 6 il design certains personnages, et donc Final Fantasy 7 c'est son premier travail de main character designer sur un Final Fantasy. Et donc à cette occasion là, c'est lui qui fait les designs. Mais ça devait pas être évident parce que c'était le premier Final Fantasy en 3D. Enfin, il fallait pas se louper quoi. Ouais. Et en fait, pourquoi c'est lui qui prend le rôle? Parce qu'en fait, il a un trait beaucoup plus typé manga en fait. Et donc dans le justement pour adapter les personnages en 3D, c'est beaucoup plus intéressant artistiquement. Et surtout beaucoup plus facile à réaliser. Du coup, en fait, les designs sont plus simples et ça permet d'adapter plus facilement les personnages. Alors, est-ce que je suis soigné quand je prends un niveau ? Voilà. L'autre aspect intéressant pour Square Enix, bien sûr, c'est que Tetsuya Nomura est un employé. Donc, étant un employé, tout ce qu'il produit en termes de design qui appartient à la société. Ça aussi. C'est assez intéressant pour Square Enix. Parce que j'imagine bien que Yoshitaka Amano, quand il paye un design, il paye un artiste qui fait une œuvre d'art. Donc fatalement, à mon avis, c'est pas le même prix, quoi. En tout cas, à l'époque. Voilà, donc là, on a une cutscene que tu n'as pas eue quand je rentre dans l'ascenseur. On voit deux personnages qui sont assez importants, ça se voit, hein, ils sont en costume, tout ça, machin. Et on voit qu'ils me voient parfaitement bien dans la caméra de sécurité de l'ascenseur, ils savent très bien que je suis là. J'imagine que c'est les méchants. Alors ce sont des antagonistes. Merci Captain Obvious. Tout à fait, et donc du coup, il s'agit du président de la Shinra, donc Electric Company, qui est le... qui est effectivement l'antagoniste d'Avalanche qui pompe l'énergie Mako, et du général en chef en fait, hein, de la sécurité du bordel.
Et donc on voit qu'en fait il les laisse pénétrer dans l'enceinte du réacteur qu'ils sont censés faire péter. Donc en fait ils pensent les piéger, mais c'est eux qui finalement se retrouvent manipulés. Hein. Voilà, alors en fait c'est un peu le côté, pour renforcer le côté conglomérat, où en fait ils savent très bien ce qu'ils font. On voit que Barrett a un côté beaucoup plus poussif, beaucoup plus fanatique dans le remake qu'il n'a à l'origine. Alors bon, ça c'est aussi permis par le fait que la technologie permet d'avoir des animations beaucoup plus expressives. Voilà, et effectivement, à ce moment-là, je vais récupérer aussi Barrett dans mon équipe. Alors, et je me surprends moi-même, mais en fait, c'est super bien, au final. Bah oui, c'est super bien. Donc, là, petite différence de gameplay. Donc, je vais pouvoir switcher d'un personnage à l'autre. En fait, le fait est que, par exemple, moi qui me bats à l'épée, je ne vais pas pouvoir, par exemple, attaquer des personnages qui sont super loin, qui volent ou quoi. Pas forcément facilement. Alors que Barrett, qui lui est équipé d'une mitrailleuse, forcément va avoir beaucoup moins de mal à atteindre ces persos-là. Ouais, du coup, maintenant t'as le choix entre le corps à corps et la distance, quoi. Du coup, ça a commencé à être voilà. Un petit peu plus là, stratégique. Je vais pouvoir switcher entre les deux personnages. Donc voilà, avec Carré ici, je vais pouvoir. Donc là, j'ai changé de perso, hein, j'ai récupéré Barrett. Avec Carré, je vais pouvoir aligner les trucs. Et bon, là, on voit que je me fais un peu taper violemment. Alors, moi, quand je vois la différence de gameplay, j'ai envie de demander à quelqu'un qui, du coup, a suivi tous les finales, est-ce que t'es pas déçu que pour le remake, ils aient pas gardé le gameplay à l'ancienne Mais en fait, c'est ça qui est trop fort, c'est que non seulement ils ont créé un nouveau gameplay, mais ils ont aussi fait l'effort pour les puristes et tout ça de faire un gameplay adapté au tour par tour. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es pas à l'aise avec les jeux d'action et que tu préfères le tour par tour, tu peux très bien faire le jeu en tour par tour si t'as envie. Alors du coup, il est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, c'est un petit peu différent. Mais par contre... Je vais switcher deux personnages. Putain, je sais plus comment on fait. Je suis désolé, faut que je retrouve un peu mes réflexes. Voilà, donc là, je récupère Cloud. Je vais checker un petit peu mes PV aussi, parce que j'ai l'impression qu'en parlant, je joue un peu comme un abruti. Alors j'ai la limite de Barrett. Les limites, ouais. On est obligé de les utiliser quand on peut pas se les garder. Hein. Alors en fait, tu peux par exemple choisir de ne pas faire la limite. Alors la limite remplace ta commande attaque. Donc du coup, si tu fais un sort par exemple, tu ne vas pas utiliser ta limite. Ok. Du coup, je descends l'escalier ou je reste toujours pexé Oui, vas-y, tu peux descendre l'escalier. Donc là, moi, voilà, ils ont ajouté une zone, par exemple, où je dois éviter des lasers qui vont apparaître et disparaître. Donc, vu qu'on est un peu plus sur de l'action et tout ça, ils ont essayé aussi de rendre l'exploration moins chiante, surtout qu'on est dans une zone hostile. Donc, du coup, c'est un petit peu intéressant. Bon, après, c'est pas tout le temps non plus, mais voilà, ils ont poussé le truc pour essayer de te montrer qu'il y a un système de sécurité, que tu rentres pas comme ça et tout ça. Donc c'est quand même intéressant. Et la personne que je suis là, c'est la fille qui est en armure à côté de toi. Oui, c'est ça. C'est Jesse qui est un membre d'Avalanche. Hop, voilà. Puis moi. Il y avait aussi le côté SD qui me rebutait à l'époque.
sais que c'est un peu un crime, je pense. Un peu de la merde. Alors en fait, le ESD c'était très répandu à l'époque, hein, au niveau des RPG notamment. Oui, mais tout simplement, pourquoi ils ont fait du ESD dans les phases d'exploration? Parce que ça coûtait moins cher en ressources. Un peu comme aujourd'hui, sur certains jeux, t'as du low poly pour les objets qui sont affichés à distance pour éviter de consommer trop de ressources. Et ben là, c'est pareil, du coup, dans le jeu, pour consommer moins de ressources, on te mettait de l'ASD. Et à partir du moment où il n'y a pas de décor, puisque du coup, dans les zones de combat, on est sur des toutes petites zones à afficher, donc il y a moins de ressources qui sont utilisées pour les décors, et ben du coup, on te permet de t'offrir des personnages un peu plus jolis dans des proportions normales. D'ailleurs, même dans les combats, avant, on avait les mêmes sprites pour les déplacements et pour les combats. Et là, on a des modèles différents, donc du coup pour les combats et pour l'exploration. Alors que là, côté remake, voilà, hein, y a un moteur de jeu et tout se fait de la même manière. Alors je les soigne un peu. Voilà, donc là on m'explique l'histoire de la fragilité et des chocs. Donc la barre orange qui est la barre de fragilité va monter jusqu'à ce que je monte l'ennemi en choc. Et à partir du moment où il va être en choc, et bien forcément on va lui faire beaucoup plus mal. Il y a aussi mais on affronte le même robot. Oui. On va pouvoir changer la stance du personnage et du coup la barre de choc va monter beaucoup plus vite. Voilà, donc là on voit que je lui fais fondre sa barre de vie comme neige au soleil. Voilà, on a bien ma rave. Et du coup, de la même manière, on va m'ouvrir la porte comme chez toi. Alors moi, je me suis dirigé vers une passerelle. Je sais pas, il y avait une porte, mais j'ai préféré aller voir la passerelle. L'éther, on est d'accord que c'est pour recharger les points de magie? C'est tout à fait ça. Ah, expert. Pro gamer. Voilà, donc là c'est moi qui ai pris un peu d'avance sur toi, du coup je vais prendre le temps de t'attendre un petit peu. Là j'arrive moi au centre du réacteur. Toi du coup c'est ton final préféré FF7 remake par remake Alors c'est clairement mon final de cœur quoi, c'est celui auquel j'ai le plus joué, rejoué, etc. Et c'est aussi forcément bah, celui qui a l'histoire en tout cas et les personnages qui m'ont le plus marqué. Au niveau de la musique, c'est difficile. Alors la musique aussi, c'est intéressant d'en parler puisque le créateur des musiques de Final Fantasy VII, qui était Nobuo Uematsu, qui est le compositeur de Final Fantasy depuis le premier jusqu'au 10. En fait, aujourd'hui, il ne travaille plus pour Square Enix. Voilà, il a décidé d'arrêter de travailler avec les jeux vidéo. Tout on va arrêter toute collaboration. Non, mais c'est pas ça. C'est que voilà, il pensait qu'il avait. Il avait fait le tour. Qu'il avait fait le tour. Il voulait faire d'autres choses. Alors après, il donne régulièrement des concerts autour de Final Fantasy et tout. Voilà, hein, il pas du tout. Fâché avec ce qu'il a fait sur Final Fantasy, bien au contraire. Par contre, j'ai été le voir en concert quelques fois, c'était vraiment top. Et donc du coup, voilà, ils ont passé la main,
Et donc du coup maintenant il y a de nouveaux artistes qui s'occupent de faire la musique des Final Fantasy. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que le travail de Nobuo Uematsu a toujours été extrêmement respecté dans les remasters, les remakes et tout ça. Et là notamment donc un des deux responsables de la musique et du son chez Square Enix est en fait à la base un DJ non mais c'est vrai hein, et du coup en fait ils font essentiellement des réorchestrations des mix et tout ça. Est-ce que je continue là du coup ou je t'attends? Je vais te rejoindre, j'arrive rapidement. Ah attends, merde, j'aurais dû aller au bout avant de descendre. Ça sent le coffre. Alors c'est pas ça, c'est que en fait il y a quelques ennemis, donc du coup ça me permet de pexer un tout petit peu. Il y a effectivement un coffre, et puis il y a aussi des caisses qui me permettent de refiler ma magie en fait. Oula, je me suis pris un scud. Oh, beau poulpe en slow motion. J'imagine qu'avec le mode photo, tu dois pouvoir faire des choses incroyables dans ce FF7 remake là. Ouais, d'ailleurs, c'est extrêmement exploité sur le Twitter de Square Enix. Il y a des concours photo absolument toutes les semaines. Et il y a des photos qui sont faites effectivement qui sont absolument magnifiques. Donc après le thème varie, des fois c'est des personnages, des fois c'est des environnements, des fois c'est des ennemis. Voilà, et du coup j'arrive devant... La même porte que moi. Voilà, devant le réacteur. Ok. Donc là c'est l'équivalent de la cinématique sur laquelle je suis. C'est ça, tout à fait. C'est bien ce que je vais pouvoir comprendre. Voilà, donc là, Barrett me dit « Prouve-moi que tu ne travailles plus pour la Shinra. C'est toi qui vas déposer la bombe sur le réacteur pour le faire sauter. » C'est marrant parce que du coup, dans le FF7, c'est pas aussi finement dit, quoi. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui se passe. Toi, tu vas-y, tu peux appuyer. Donc il y a une voix qui te parle que Barrett n'entend pas, bien évidemment. C'est dans ta tête que ça se passe et qui te dit attention, ce réacteur, il est pas net. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir choisir en compte à rebours vu qu'on blablate, on va prendre 30 minutes. Tu as une récompense si tu fais 20 minutes. Alors c'est largement suffisant, hein, mais... Oh là là, ça va me stresser. Là, tu vois, les dialogues changent selon ce que tu choisis, 20 minutes ou 30 minutes. Et vas-y, valide ton dialogue. Mais j'ai pas assez pexé, il y a un boss. Et donc voilà, on se retrouve face au premier boss du jeu, qui est le scorpion. Alors pour la petite anecdote... Ce boss a été montré pour la première fois en action lors du Magic de Monaco en 2018, si ma mémoire est bonne. Magic au cours duquel ça avait été présenté par Tetsuya Nomura en personne. Donc j'avais eu l'occasion de le rencontrer ce jour-là. C'était vraiment une exclusivité mondiale. Les premières vidéos de ce combat ont été montrées à cette période. Et alors je crois que c'est 2018, hein, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'il m'a daté la signature? Non, je crois pas. Hein. C'est parce que c'est une fausse. Voilà, okay, du coup, j'ai même pas regardé voilà. Si la magie ça lui avait fait quelque chose. J'ai fait tomber mon Final Fantasy 7. Oh non! Alors regarde juste pour vous montrer.
Donc voilà, c'était... Ah, c'était en 2017, voilà, donc il y a quand même bien longtemps avant. Et à savoir que dans les 6 mois qui ont suivi, ils ont annoncé qu'en fait, le développement était fait en partenariat avec un studio externe. Et ils ont décidé de tout reprendre en interne et de recommencer le développement de zéro. Voilà, donc ce qu'on a là, en fait, n'a rien à voir avec la démo qui a été montrée en 2017 au match. Alors, je vais... Voilà, donc là, il m'explique qu'il y a des attaques imparables et que... Là, du coup, je suis bien dans la merde. Ah mince, j'aurais pas dû... Là, je me suis fait défoncer. Alors, moi aussi, je me fais défoncer... Et parce que, en fait, je dois pas. Moi, je dois pas l'attaquer quand sa queue est en l'air, apparemment. C'est exactement ça. Voilà, donc là, je me fais poutrer le cul. Ouais, moi aussi. Alors, surtout, ne pas oublier de se soigner. Et j'ai des réflexes qui ne vont pas parce qu'en fait maintenant je suis habitué au système de combat de Tales of, parce que je joue à Tales of en ce moment. Donc je me fais poutrer puissance 1 milliard. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ah, je crois que je l'ai battu, ça y est. Pour moi là c'est beaucoup plus compliqué. Life. Autant dire que je suis dans une merde noire parce que je ne sais plus switcher entre mes personnages, donc je suis totalement perdu. Life achievement. J'ai battu le premier boss de FF7. Voilà. Et vite, je me soigne avant de mourir bêtement. Aïe 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 aïe, ça sent le pâté. Voilà, surtout, on va envoyer la foudre. Ah bah oui, il est en métal. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Après, je suis pas un expert de la robotique scorpion. Allez, fuyons. Je vais vite me soigner, je suis désolé, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Non pas que ce soit plus difficile, mais c'est surtout que je joue extrêmement mal là tout de suite. Voilà, s'il y a des gens qui jouent à FF7 Remake en ce moment, ils doivent bien se marrer parce que comme j'ai pas le temps de relire les tutos... Non mais c'est jamais évident aussi de jouer tout en expliquant ce qu'on fait. Alors oui, et en même temps... Pâté, ça. Ah ça y est, j'ai retrouvé l'esquive, c'est rond. Parce que du coup, sur Tales of, ils sont passés en mode Dark Souls, tu vois. Et donc du coup, en fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même façon de jouer. Il faut vraiment... Ah non, pas ça. Alors comment je peux faire pour rechanger mes persos? Parce que là, tu vois, il faudrait que je repasse sur Barrette. Et... Je ne sais plus. Ah voilà, c'est avec la croix pour changer de perso. Voilà, donc Cloud a atteint sa limite. L'idéal, ce serait que je l'utilise quand on aura monté sa barre de choc au plus haut. Voilà, surtout, on va bien... se soigner. C'est vraiment très sympa le slow motion du coup qui... Ouais, c'est hyper bien fait. Alors là, tu vois, il s'est mis un blindage sur lui, donc pour le rétamer, je vais devoir passer derrière, là où il y a écrit point faible. L'attraper par la queue, le jeter à ces messieurs. Évidemment, ce n'est pas aussi simple.
Voilà, donc là, je vais taper sur son générateur de barrière. C'est là que c'est intéressant. Le générateur de barrière qui se trouve derrière lui, entre ses... Évidemment, il dans son minus. Sinon, ce n'est pas drôle. Après, les termes à aborder dans ce jeu, on est en 97, bon, du coup le fond c'est clairement l'écologie avec la Shinra qui est en train de pomper l'énergie de la planète. C'est le main theme, hein, c'est vraiment encore très d'actualité, voire un peu précurseur à l'époque. Hein, pour le coup, ils sont vraiment en avance sur ce qui va arriver par la suite dans les sujets... Et il y a aussi une chose, c'est que y a quand même beaucoup de femmes fortes dans l'équipe, j'ai l'impression. Tifa, Jessie. Oui, les femmes ont toutes beaucoup de caractère. Ouais. Et surtout, je veux dire, ce sont des combattantes à parts égales des hommes, quoi. C'est pas ça. Oui, complètement. Ouais. C'est pas elles Sakura pas, dans Naruto, quoi. Oh bah après, ça dépend quand est-ce que tu l'apprends. Au début, Sakura dans Naruto, c'est un boulet, mais après, elle prend sa part aussi, quoi. Après, voilà, c'est... Mais effectivement, on est avec des femmes qui ont de la personnalité, qui sont pas là pour décorer, quoi. Elles ont vraiment une utilité dans le jeu. Elles sont Attends, c'est là pour faire joli, quoi. C'est sa barre de vie en haut ou c'est sa barre de dégâts? De quoi là où il y a... La barre jaune. De mon côté, la barre jaune, c'est sa barre de vie, ouais. C'est un sac à PV. Donc... Je lui enlève absolument rien. C'est pour ça que, en fait, si tu veux, tu vois, il faut vraiment que je lui éclate sa barre de fragilité. Parce que ça va me permettre... Attends, je vais me faire défoncer. Ah, mais ils ont... Comment ça s'appelle? C'est le... C'est le... Ce que... Je crois que c'est sur le précédent MMO qui de finale, c'était quoi? C'était Final Fantasy 13? Non, 12? Non, c'était Final Fantasy... Il y a eu le 11 et puis le 14. Ouais, je crois que c'est le 11 où t'as des mecs, ils sont restés genre 12 heures sur un boss et au bout d'un moment ils ont écrit, et ils ont même pas down le boss quoi. Et du coup ils ont écrit à Square Enix en disant, enfin on veut bien jouer à votre jeu, mais rendez-le quand même accessible parce que 12 heures sur un boss, c'est abominable. Il y en a bien qui faisaient les 24 heures du Mans en temps réel sur après ça c'est comment s'appelle les 24 heures du Mans, tu le fais en trolleyant, t'es avec tes potes, il y en a ils vont dormir normalement, enfin entre guillemets, tu passes pas ton perso à quelqu'un d'autre quoi, t'es dans l'instance ou le donjon et enfin c'est essayer de lancer le sort de feu sur le générateur de barrière. Tu voudrais pas lui faire mal un petit peu? Si, ça va arriver là, t'inquiète, regarde, je vais lui envoyer un petit sort de foudre, il va pas kiffer. Voilà, tu vois, sa barre de fragilité a bien monté là. Ah, le fragile. Voilà, je vais lui envoyer un petit deuxième, il va pas comprendre. T'as 6 minutes, un peu moins de 6 minutes 8 pour... on va le passer en choc. Voilà. Le choc est lancé. Maintenant, la transcendance. Et tu vas voir, sa barre de vie va fondre comme neige au soleil. Ah, et c'est là le kiff du FF7 remake, j'ai l'impression, non? Ouais, voilà. Alors là, tu vois, en fait, on est. Donc, tu vois aussi que les boss se font par phase. Donc, ils deviennent de plus en plus dangereux à chaque phase. Avec des trucs de plus en plus violents. Et on va aussi utiliser les décors pour se protéger. Donc là, tu vois, j'ai une attaque qui arrive qui s'appelle laser caudal. Et en fait, la seule façon de m'en protéger, c'est de me mettre derrière les débris. Donc voilà, là... Le laser caudal. Voilà. Et donc, le truc fait péter complètement les débris. Donc là, je vais lancer mes sorts de foudre, surtout, pour l'envoyer en fragilité le plus vite possible.
la magie a évidemment beaucoup, beaucoup d'importance. J'adore parce que il a une épée qui certes est quand même plus large que la moyenne des épées qu'on connaît, mais l'autre lui tire dessus avec des mitrailleuses et il arrive quand même à se protéger. Bon, et Barrett lui il se prend tout dans la tronche, mais bon, vu qu'il est niveau 8, niveau 5, ça va, il a pas mal. Non, c'est pas son niveau, j'arrive pas à le voir. Alors, c'est pas son niveau. Alors, hop, il faut que je lui envoie une petite foudre. Ouais, bon, moi, dans cette émission, ça fait deux fois que je joue au jeu original. Et c'est la deuxième fois où j'attends, en fait, le comment ça s'appelle, les combats sont durs. Hein, ça... Ah ouais, non, mais... sur DuckTales, c'était la même chose. J'attendais Hob qui finisse. Voilà, alors là, il va m'envoyer son laser. Donc j'essaye de faire monter sa barre le plus vite possible. Voilà, la barre de fragilité. Hop. Et hop. Voilà, donc je peux aussi monter petit à petit l'histoire là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais switcher de personnage un peu. Voilà, on a une autre cinématique qui s'enclenche. Donc nouvelle phase où il devient complètement, complètement fou. Et je vais devoir lui exploser les genoux, littéralement, pour avancer. Ah mais logique, dans Breath of the Wild, c'est quand je m'attaque à un gardien, je fais la même chose. Voilà, donc surtout, on va lui exploser vite fait ses pattes. Voilà. Voilà, et donc je l'ai battu. Eh ben, moi j'ai mis moins de temps, hein. Clairement. Tu me dis quand je relance la cinématique de mon côté. Hein. Tu vas pouvoir y aller, puisque là du coup le compteur va se lancer à partir du moment où le réacteur va exploser. Vas-y, tu peux y aller. Ah, moi j'ai que 10 minutes par contre. C'est quoi cette arnaque là? C'est par le même chemin du coup? Alors okay. C'est le point de sauvegarde là que tu as toi d'ailleurs, ouais. Si tu veux sauvegarder. Non, pas besoin, j'ai confiance en moi. Voilà, donc d'où l'importance aussi de ramasser un maximum de coffres à l'aller. Il y a évidemment quelques combats qui vont venir se mettre au milieu. Ok, on va récupérer Jessie de mon côté. Bon, j'imagine que toi... Ah, moi aussi j'ai un combat. Ouais, t'as... Ah, j'aurais peut-être... Les combats sont aléatoires hein, de ton côté. Alors que moi, ils sont visibles, donc c'est scripté de mon côté. Ce n'est pas du tout aléatoire. Ah, j'aurais dû. Mise en scène de mon côté. J'aurais dû soigner Barrett. Tu m'as dit la plume, ça sert à. La plume de Phoenix, c'est pour ressusciter tes partenaires morts. Ok. Ouais, je vais pas tarder à l'utiliser, je pense. Voilà. Alors un peu plus tard dans le jeu, tu auras ce qu'on appelle une materia qui te permet d'utiliser par exemple une magie sur plusieurs ennemis, plusieurs alliés. Donc du coup, ça te coûte un peu moins cher.
pour toucher plusieurs ennemis, mais par contre ça fait un petit peu moins de dégâts. Je vais m'acheter Final Fantasy pour les nuls. Alors, voilà, donc là, item, équipe. Hop là. Voilà. J'ai mis Et là, donc, au niveau du système de jeu, hein, on a vu vraiment que la surface, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à découvrir derrière. Puisque pour l'instant, on n'a absolument rien vu de la configuration des personnages, des équipements, de toutes ces choses-là. Et on a vu simplement le système de combat de base, en fait. Derrière, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Je crois, qu'on est sur la même échelle, là. Ouais, je pense aussi. Bah, je suis arrivé à l'ascenseur. Est-ce que c'est ton cas également ? Alors, pas... Non, pas encore, parce que en fait, quand je change d'écran, les directions changent, et du coup, si je garde appuyé... tu montes, vas-y. Moi, j'ai encore un combat. Ok, j'ai le dernier escalier en vue pour l'ascenseur. Et du coup, on n'a pas fait péter le réacteur. Ah si, il a pété le réacteur. Ah ouais. Il a complètement pété. Hein. Ah ok. Quand le... Bah enfin, du coup, la bombe va exploser. Ah mais oui, la bombe, d'accord. Le tarbour sera terminé. Mais tu vas voir ce qui se passe. Voilà, évidemment là, on retrouve le monstre de tout à l'heure. Tu vas reconnaître. Ah ouais, moi j'ai des soldats bleus avec des espèces de mains. Ah, par contre, j'aimerais bien avoir des potions. Ah bah tiens, voilà, ils m'ont écouté. Je vais pouvoir soigner Barrett. Et bim ! Voilà. Hop. Lui, il est cuit. Alors, je vais juste me soigner Barrett. Non, c'est Cloud qui a besoin d'être soigné, voilà. Et on grimpe. Il y a des mobs absolument partout. Et c'est aussi ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas clairement sur ce retour. Donc voilà, on n'est pas en terrain conquis une fois le réacteur détruit. Il faut s'en sortir. C'est pas... Ah, moi il est en train de péter, ça y est, il a pété de mon côté. Il a pété ah, de ouais, moi, j'aurais dû. De monter, là. J'aurais dû un petit peu attendre. Mais du coup, on aura la cinématique puis l'autre. Attends. De quel côté je suis censé aller ? Ah, voilà, par là. Ah, ils sont forts ceux-là, ils se... Par contre, ils sont très sensibles au sort. Voilà. Alors là, le son que vous entendez, c'est parce que je suis un peu sur une cutscene, donc c'est pas le... En fait, c'est tout simplement le truc qui est sur le point de péter. Donc moi, j'ai beaucoup plus d'ennemis à vaincre. Hein. J'imagine que si on est passé de 10 à 20 minutes... Ouais, c'est que quand même, il y a du travail. Je vais remettre 2 petites secondes ta musique, du coup. Hop. Même si le son sera pas fou. On va se débarrasser.
Donc après ce Final Fantasy Remaster, il couvre environ combien de pourcents du jeu original? Ben en fait, pas tant que ça, c'est-à-dire que il va couvrir vraiment juste la première partie du premier CD. Donc, Final Fantasy VII était sur 3 CD à l'époque, ce qui était colossal, hein. On rappelle que les tailles des cartouches sur Super Nintendo, Mega Drive, tout ça, c'est quelque chose comme 24 mégabits. Il faut diviser par 8 pour avoir la taille en octets. Alors, je suis pas très très bon en maths, mais 24 divisé par 8, ça fait 4. Ça fait 3? 8, 24, 24. non. Ouais, c'est ça. Si, si, alors, on voit 4 boosts, on voit 24. Donc voilà, 3 mégaoctets, ça faisait Et FF9, par là c'est mieux, lui était sur 4 CD du coup. C'est ça, FF8 également. FF8 également est sur 4 CD, bien qu'il n'y ait pas grand-chose sur le quatrième CD. Mais en tout cas, il y avait vraiment de choses. Et donc du coup, un CD, c'est 650 mégaoctets à l'époque. Et il y en a 3. Donc autant dire la densité de contenu qu'il y avait sur le jeu. Après, Vraiment. je serais curieux de savoir le pourcentage des cinématiques, Ah, ce de la qui prend taille le des plus de temps, cinématiques. effectivement, ce sont les cinématiques et ce sont également les musiques. Les musiques prenaient énormément de place. Les cinématiques à l'époque, c'était du MPEG 1, qui était sur les CD. C'était le format de compression standard. Donc, autant dire qu'on est très loin de ce qu'on fait aujourd'hui avec le H264. Tu me dis Qui si je peut être adapté continue, en vidéo. Oui, tu peux continuer. Je vais arriver dans l'ascenseur là où vous êtes. Toi, tu as rejoint l'équipe déjà. hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, du coup, moi, je vais arriver à la sortie du réacteur. Hop, voilà. En fait, je vais arriver un tout petit peu. Enfin, je vais te rejoindre. Je vais arriver pour te rejoindre. Donc voilà, pour vous dire la révolution que c'était à l'époque, quoi. Je suis dans le manoir Spencer. Voilà. Et aujourd'hui, donc 3 CD, ça faisait quelque chose comme quasiment 2 gigaoctets. Hein. Ouais, un peu moins, 1 giga 8. Un giga 8, c'était vraiment énorme pour l'époque. Alors après, comme sur chaque CD, il y a des zones qui reviennent, il y a des doubles en termes de données. Mais voilà, c'est colossal, quoi. Ok, ouais, donc là on Voilà. voit la. Et aujourd'hui, Final Fantasy VII Remake, lui, à titre de comparaison et avec toutes les avancées qu'on a fait en termes de compression d'images, de compression de données, etc., dans les cinématiques et tout ça, et des musiques, il fait 100 gigaoctets. Hors Ouais, beau patch bébé. remake. Voilà. Donc les données ont fait fois 50. À peu près, un peu plus fois 60, on va dire. Par rapport à l'époque. Et on ne couvre effectivement avec ça qu'un tout petit pourcentage du jeu. Alors après, ils ont énormément densifié le contenu. Après, on le voit aussi. Là, je t'ai rejoint. La prise de vue et tout ça se fait un peu différemment. On est beaucoup plus proche du personnage par rapport au jeu d'origine. Toi, tu vois en fait. Donc c'est ce qu'on appelle des écrans en 3D précalculés, ce sur quoi tu es. Donc en fait, il y a un modèle 3D très simple sur lequel sont plaquées des textures. Alors que moi, effectivement, c'est de la 3D temps réel, ce qui fait que je peux effectivement bouger la caméra comme je veux, etc., que chaque élément est modélisé. Donc c'est très 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 différent en termes de technologie.
Ça a été aussi repris enfin, dans énormément de jeux, parce qu'on a aussi les Resident Ah oui. Evil. Et Bah, sur. pour donner un exemple, donc ouais, les premiers Resident Evil étaient aussi en 3D précalculé avec des zones fixes, caméra fixe, Ce qui qu'avait permettait fait de. Frédéric Reynal dans les Alone in the Dark aussi, hein. Oui, ça, bah, parce qu'en fait, Dans ça permettait le d'économiser Alone énormément de in the ressources de Dark. faire ça. Et là où après c'est un peu ce qu'a ce qu'a enfin c'est ça a surtout été exploité dans Resident Evil, c'est que ça participait à l'ambiance. On savait pas ce qui enfin il y avait un coin un angle de mur, on savait pas ce qu'il y avait à l'angle de mur. Maintenant dans n'importe quel TPS, tu te mets au mur, tu bouges la caméra, tu sais ce qu'il y a de l'autre côté du couloir et bon, tu fais quand même tu caca dans la culotte. Voilà. Alors après, on voit aussi qu'il y a, il y a beaucoup du coup, de script caméra pour rester dans l'histoire et amener de la mise en scène. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire à l'époque hein, de la Play 1. Piloter correctement des caméras, ça a commencé à se faire légèrement à partir de la fin de la PS2. Mais avant que ça arrive, ça a été quand même pas tout de suite, tout de suite, quoi. Après, les outils de programmation, les outils de design, tout ça ont énormément évolué et on n'est plus tout non plus sur les mêmes outils qu'à l'époque et forcément ça change tout aussi. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, pour rendre un truc en 3D dégueulasse comme ça prenait des nuits entières, alors qu'aujourd'hui, en 2 heures, on a un rendu en Full HD, quoi. J'en sais quelque chose. Voilà, donc pour le coup, c'est vraiment incroyable ce qu'on a accompli en termes de technique de nos jours. Voilà, donc vraiment ce travail de mise en scène qui est fait, qui apporte quelque chose de beaucoup plus cinématique, de plus immersif aussi au niveau de l'histoire et tout, par rapport à ce qu'on avait à l'époque, quoi. Ça permet de donner beaucoup plus de fond aux personnages, tout ça. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, ce que je vous conseille si vous êtes fan de Final Fantasy VII et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de littérature autour du jeu. Donc, vous allez trouver pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à l'histoire du jeu à proprement parler, c'est-à-dire le scénario du jeu, ses personnages. Etc. Alors il faut savoir que Final Fantasy VII fait partie de ce qu'on appelle une compilation de jeux. C'est quelque chose qui a été décidé à l'arrivée de la PlayStation 2, en fait, et le moment où justement Square Enix s'est lancé un petit peu, enfin a fait ses essais dans le cinéma avec le fameux film Final Fantasy The Spirit Within. Donc à cette période-là, la personne qui était chargée des cinématiques s'est vue attribuer un studio implanté à Hawaï. Et donc ce studio a eu l'occasion de travailler à 100% sur à la fois les cinématiques des jeux et des films. Et parmi ces films, on a le film Final Fantasy VII Advent Children, donc qui fait suite à Final Fantasy VII beaucoup plus tard. Dans cette compilation, on a également un jeu PS2. Qui était un petit peu plus orienté action, qui s'appelle Final Fantasy VII Rise of Cerberus, Ah, je qui l'ai. est centré, voilà, qui est centré autour de personnages secondaires de Final Fantasy VII, qui sont donc Vincent Valentine et Yuffie Kisaragi. Donc les deux persos, en fait, qui sont les personnages cachés de Final Fantasy VII, qu'on n'est même pas obligé d'avoir pour finir le jeu, donc qui va travailler un peu plus le background de ces personnages-là. Qui ont un background extrêmement intéressant. Et donc là, du coup, moi j'ai le tuto sur les materia que toi tu auras plus tard. Les materia, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'énergie Mako cristallisée, ce qui va donner ces boules de matière là qu'on a. Ça me fait penser au Mako moulage. Voilà,
C'est vrai. On a tous eu des macromoulages quand on était petits. Non, et pas donc moi. Ces boules sont de différentes couleurs et selon leurs couleurs, elles vont avoir des fonctionnalités différentes. Donc les boules vertes sont de la magie. Les boules bleues sont. Pardon, donc je vais équiper mon matériel à soins. Les boules bleues sont des équipements en fait qui vont permettre de booster la magie. Les boules rouges sont des invocations, les boules jaunes sont ce qu'on appelle des commandes. Voilà, donc ça va être très différent. Ces matérias vont gagner ce qu'on appelle des AP qui vont les faire monter en niveau. Voilà, au niveau 1, la matéria feu va permettre d'utiliser feu, puis extra feu, feu 2 dans Final Fantasy VII original, puis méga feu, feu 3 dans Final Fantasy VII d'origine. Voilà, ces matérias vont également avoir un impact dans le jeu original sur les statistiques des personnages. Et en jouant bien avec les matérias, on va pouvoir avoir des stats complètement pétés. Et rouler sur le jeu. Et rouler sur le jeu, exactement. Mais est-ce que c'est très... Ce sera pas le cas dans le remake. Ah, d'accord. On perd un petit peu en profondeur de ce côté-là sur le remake. Mais bon, après, c'est un petit peu normal aussi. Après, est-ce que c'est très intéressant, des fois, de rouler sur le jeu? Faut... Un jeu, il y a toujours une... En fait, si tu veux, la troisième fois, la quatrième fois que tu fais Final Fantasy VII original, c'est vraiment intéressant d'aller gratter en profondeur sur ces systèmes-là. Parce que ça va, justement, te donner une nouvelle dimension au jeu à laquelle tu n'aurais pas forcément pensé avant. Donc voilà, c'est vraiment très drôle à faire. Donc voilà, on a parlé des matérias. Okay. T'essaies de rejoindre la Flower Girl du coup Ouais, j'arrive. Qu'on en voit un peu plus. Voilà, donc Jessie me quitte. Donc vous avez le droit de faire un tour en ville. Voilà, donc je vais faire un tour en ville. Et avant de rejoindre Aerys, il va m'arriver quelque chose que toi tu n'as pas eu. Alors, petit truc intéressant, c'est que Tetsuya Nomura, qui était donc juste character designer à l'époque de Final Fantasy VII, est aujourd'hui producteur du jeu. Donc c'est lui qui dirige en fait la production du jeu. Belle promotion. Voilà, depuis, entre autres, c'est lui qui a dirigé toute la saga, qui a créé et dirigé toute la saga Kingdom Hearts. Hironobu Sakaguchi, lui, a quitté Square Enix depuis pour créer son propre studio qui s'appelle Mistwalker, qui aujourd'hui connaît toujours un certain succès, notamment aujourd'hui avec un jeu qui s'appelle Fantasian sur Apple Store, qui est un jeu épisodique. Qui peut se jouer sur Apple TV 4K ou sur iPhone ou sur iPad, au choix. Et Yoshinori Kitase, qui était le producteur de Final Fantasy VII à l'époque, lui a pris sa retraite il y a peu. Voilà, il avait été promu plus haut dans la société et lui, il a pris sa retraite. Donc, c'est Tetsuya Nomura qui dirige le jeu et qui donc du coup va donner sa vision à lui. Et il a dit le mot remake dans le titre de Final Fantasy VII Remake a une vraie signification, ce n'est pas le même jeu. Et il y a effectivement des différences de scénario assez importantes déjà dans cette première partie de Final Fantasy VII Remake. Qui vont apporter de vraies différences, et on va effectivement voir la première différence de scénario notable ici avec Cloud qui a une vision du village de Nibelheim en feu. Alors le village de Nibelheim, c'est son village natal, avec Sephiroth dans les flammes. C'est une scène qu'on a beaucoup plus tard dans le jeu d'origine, en fait, qu'on a après avoir quitté la ville de Midgar. Mais qui est toujours un... Voilà, et donc il va rencontrer Sephiroth à ce moment du jeu, ce qui n'est pas du tout le cas dans le jeu d'origine. Ah mais c'est pas une vision, donc là il est vraiment là. Il y a toujours une ambiguïté. En fait, le truc c'est que Cloud est un personnage
qui se drogue. Qui a des petits problèmes. Comme tu l'as vu dans le réacteur, il a des visions. Comme tu le vois là, il n'est pas dans son état normal. Et donc, en fait, on ne sait jamais trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai avec Cloud. Et tout ça s'explique parce qu'en fait... alors, je ne veux pas trop te spoiler non plus. Pour t'expliquer, Cloud n'est pas tout à fait lui-même. Voilà, tu verras au fur et à mesure du jeu. Ça va finir que je vais m'acheter un Raspberry Pi et que je vais y jouer entre midi et deux au boulot. Mais achète-toi un remake sur PS4. Un GPI case. Non, j'ai pas le temps de jouer. Je suis en train de refaire Breath of the Wild. Voilà, donc là tu vas, on va donc suivre Sephiroth dans la petite ruelle là. Et je pense qu'on va tomber sur une fleuriste, non? Sur une flower girl. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Cette scène est totalement nouvelle et n'était pas du tout présente dans le jeu d'origine. Donc les petits problèmes psychologiques de Cloud sont bien présents. C'est quand même très beau. Hein. C'est vraiment les cinématiques des finales, elles m'ont toujours laissé vraiment sur le cul. Hein. C'est à l'époque les seuls ouais, vraiment qui rivalisaient, on l'a dit, c'est Blizzard avec les cinématiques de là on est un petit peu enfin quelques années après quand même pour Diablo 2. Après on aura Warcraft. Warcraft 3, du coup on doit avoir Starcraft et Starcraft il y a très peu de cinématiques et elles étaient belles pour l'époque, mais Warcraft 3 ouais, après elles sont somptueuses et pour moi c'était vraiment deux studios qui se tiraient la bourre quoi. Ce qui en fait encore aujourd'hui hein. Ouais, aujourd'hui il y a quand même énormément de studios et enfin il y a toujours des cinématiques qui sont très belles. C'est vrai que ça c'est un peu le haut du panier. Après je te dirais que tu vois par exemple un jeu qui a été racheté par Square Enix et qui a atteint un tout autre niveau depuis, c'est les Tomb Raider typiquement. C'est vrai que Tomb Raider ils ont eu un petit coup de mou à un moment. Puis déjà ouais. sur Play 1 et, ils en ont fait PS1, trop. C'était dur. Hein. Y a eu la trilogie. Comment elle s'appelle cette trilogie? Ah, je crois pas que je les ai ici. C'est n'importe voilà, quoi cette trilogie. Il est conscient d'avoir des problèmes hein, ici. Et visiblement, il sait pourquoi. Ça y est, il est arrivé à Raccoon City, du coup. Ouais, là, il est arrivé, effectivement, au bout de sa ruelle, en tout cas. Donc là, on voit qu'il y a des sinistrés hein, de cette explosion. Ça aussi, c'est très important. On ne voit pas trop dans le jeu d'origine. Les gens ne souffrent pas de l'explosion du réacteur... Dans le jeu d'origine, alors que là, on a vraiment un impact de cette attaque terroriste auprès des civils. Donc, beaucoup plus d'impact sur les actes qu'on a fait. Et au final, ça permet aussi de se rendre compte que les personnages principaux du jeu sont des terroristes. voilà, c'est ça. Ce sont des terroristes. Ils sont pas du tout tout blancs. C'est pas du tout des héros. Ils sont dans leur délire de vouloir sauver la planète, mais ils font des victimes. Ils font clairement des victimes parmi les civils. Ah, y a pas de fumée sans feu. On fait pas une omelette sans casser les œufs. Voilà, donc on peut parler au personnage. Donc voilà, là il y avait un petit coffre caché.
Donc voilà, je vais passer un peu par les toits et tout ça. Donc le chemin pour rejoindre Aerith, c'est beaucoup plus tortueux. Parce que effectivement, on veut nous montrer un petit peu l'impact de ce qu'on a fait. Pas forcément pour nous faire culpabiliser, mais pour montrer que cette ville est habitée, elle a des civils, et donc du coup, effectivement, donc là on voit qu'il y a des soldats en faction, on a une matériel juste à côté. D'ailleurs, on va y aller, on va aller les taper. Ah non, il veut pas y aller, on ira plus tard. Et là, effectivement, donc on voit Aerith au loin. Je vais donc la rejoindre. Et ici, on voit qu'Aerith, elle, est attaquée par quelque chose. Ça aussi, c'est une nouveauté. Parce que toi, elle était tout à fait normale. Voilà, et on a Sephiroth qui arrive juste à côté d'Aerith. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, qui savent ce qui se passe, forcément, la première fois qu'on voit ça, c'est un petit peu traumatisant. On se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre. Je sais, j'imagine. Ça, on l'a un peu spoilé. Voilà. Je vais pouvoir jouer. Aerith me parle et elle me propose donc une fleur. Voilà, tu peux lui parler, vas-y, tu vas me rejoindre. Ah, mais elle se barre. Elle t'a pas proposé la fleur? Je sais pas, je lui ai dit qu'elle ferait mieux de dégager, en fait. Ah bah oui, effectivement, donc elle risque pas de t'avoir proposé la fleur. Ah voilà, donc là, et du coup, elle viendra pas avec moi? La fleur, je peux dire que je la veux pas, ou elle me dit, ou je peux lui demander combien c'est. Voilà, alors là, elle m'offre la fleur, alors que normalement, elle me l'a fait payer à un guide, pour le principe. Une potion. Voilà, donc là, toi, tu vas... j'ai appuyé. J'ai vu, tu vas te confronter donc à des soldats, puisque tu es recherché. Voilà, pendant ce temps-là, Aerith se fait à nouveau attaquer, elle a fait tomber ses fleurs. Ah, mais elle est bourrée, en fait, c'est tout. Et en fait, voilà, là apparaissent des monstres, des êtres, on va dire, qui sont nouveaux, en tout cas, qu'on ne connaît pas, qui peuvent rappeler certains êtres qu'on croise au cours de l'aventure. C'est vrai que ça fait beaucoup penser aux détraqueurs d'Harry Potter, pour le coup. Mais ce n'est pas du tout la même chose. On voit que les soldats, eux, ne les voient pas du tout. J'ai appuyé sur un bourrin et du coup j'affronte les soldats. Allez, je suis parti en mode attaque. Et bah du coup toi aussi t'attaques les soldats. Bon, et bien écoute, cette émission touche à sa fin. Ouais. Du coup, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, qui ont déjà fait le remake, qui sont fans et qui veulent en savoir plus sur Final Fantasy VII, je vais vous conseiller du coup quelques bouquins. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, donc vous avez notamment sur la compilation Final Fantasy VII qui comprend quand même beaucoup de jeux, dont un jeu mobile qui n'est jamais sorti chez nous. Vous avez l'histoire de Final Fantasy VII que chez Pix & Love. Que vous pouvez trouver. Je crois qu'aujourd'hui ils ont changé d'éditeur. Ils sont passés chez Sœur d'édition. L'histoire de Final Fantasy. Voilà. Si jamais vous voulez en savoir plus, moi j'ai la vieille édition, donc du coup
forcément. Pas pareil. Toujours chez Sœur d'édition, vous allez trouver aussi ce livre-là qui est très intéressant. On fait une petite pause parce que d'une part ils sont à l'envers et c'est un peu flou. Ah merde. Voilà. C'est voilà, bon. Donc, bon. Là vous avez les mémoires des créateurs de Final Fantasy VII. Donc là c'est très intéressant, ce sont des dialogues. Des interviews croisées en fait entre tous les créateurs de Final Fantasy VII de l'épisode original où ils expliquent plein de choses, notamment un des sujets qui est assez marquant, c'est que pour Final Fantasy VII, pour la première fois, un Final Fantasy ne sort pas sur console Nintendo. Tous les Final Fantasy précédents sont sortis sur console Nintendo. Final Fantasy VII arrive sur PlayStation. Pourquoi ? Parce que en fait, la Nintendo 64 est sortie trop tard. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, était impinable à programmer. Voilà. Et donc, c'est le choix du port cartouche, en fait, qui ne propose des cartouches que de 240 mégas. Imaginez le nombre de cartouches qu'il aurait fallu pour que ça fonctionne. Trop contraignant. Donc, voilà, ils font le choix de partir de chez Nintendo. Il y avait une rumeur tenace dans les journaux à l'époque qui disait que, cet acte-là, Nintendo l'avait pris comme un affront et qu'il ne serait plus jamais question d'accueillir un Final Fantasy sur console. C'est vrai qu'il y avait cette rumeur. Voilà, et donc en fait... Et puis on a eu Final Fantasy Crystal Chronicle. Ils expliquent en fait que cette rumeur est totalement infondée et la réelle histoire est contée dans ce livre que je vous laisse découvrir, donc Mémoire de créateur de Final Fantasy VII, qui est disponible chez Sœur d'édition. Il y a un autre éditeur qui propose des livres assez intéressants aussi sur Final Fantasy VII. Vous allez retrouver donc les livres qui sont en fait les guidebooks originaux japonais qui ont été traduits en français. Final Fantasy VII Ultimania chez Manabooks. Voilà. Le remake également a eu son Ultimania là récemment, qui est donc sorti chez Manabooks également. Vous avez des compilations, l'encyclopédie officielle Mémorial Ultimania qui compile justement Yoshitaka Amano, des souvenirs de créateurs sur les Final Fantasy par 3. Là pour le coup Final Fantasy 7, 8 et 9, les 3 épisodes PlayStation. Et effectivement, ce sont les artworks de Yoshitaka Amano qui sont présentés ici. Donc voilà, si vous êtes un nostalgique des Final Fantasy PlayStation, je vous conseille fortement de regarder ces bouquins-là. Les autres Final Fantasy 10, 11, 12, 13 et 14 ont également un bouquin de ce type-là. Et les Final Fantasy Nintendo, donc du 1 au 6, ont également leur tome. Pour ceux qui souhaiteraient les retrouver. Vous allez trouver aussi chez Square Enix, sur la boutique de Square Enix, des tonnes de goodies, notamment les bandes son, etc. Moi, je me suis offert, il n'y a pas très longtemps, le vinyle Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake, qui va compiler certaines pistes des deux épisodes. Donc, c'est bien parce qu'on retrouve les anciennes et les nouvelles qualité vinyle. Donc, ça, c'est cool. Plein de choses à découvrir et... Donc un jeu qui a révolutionné vraiment le jeu vidéo quand il est sorti à son époque. Et un remake qui ne démérite pas parce que c'est, je pense à ce jour, le meilleur Final Fantasy moderne depuis très très longtemps. Voilà. Et du coup, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il... Parce que c'est quelque chose qui se dit qu'ils vont faire la suite. Alors, qu'ils vont faire le reste du jeu. C'est certain, il y aura une suite. Ça a été annoncé. Ça va être en plusieurs épisodes. L'épisode 2 est déjà en cours de développement. Le DLC Intergrade qui est arrivé avec la version PlayStation de Final Fantasy VII Remake apporte un petit plus et va amener le joueur un petit peu plus loin dans l'histoire, voilà, j'en dis pas plus, mais ça vaut en tout cas le coup de le faire, d'autant plus qu'on découvre encore un pan de l'histoire assez intéressant, et ça fait notamment le lien avec certains personnages qu'on va découvrir
dans Drives of Cerberus, ce qui veut dire que, à mon avis, avec ce remake, ils vont intégrer toute la compilation Final Fantasy VII, les épisodes qui se passent avant, les épisodes qui se passent après. On va vraiment avoir toute l'histoire compilée en une seule saga, donc je trouve ça vraiment bien. Il y a également des jeux mobiles qui sont en train de sortir, plus ou moins intéressants. Du coup, un Final Fantasy... sur iPhone, là. Un Final Fantasy VII Director's Cut, finalement. Ouais, complètement. C'est complètement ça, et je pense que ça va être vraiment super, super intéressant. Ça prendra le temps que ça prendra à sortir, ça va être long, parce que c'est des gros jeux qui, à chaque fois, vont être ambitieux, à chaque fois, vont innover et vont apporter quelque chose. Je pense qu'ils ont prévu de connecter les jeux entre eux, je vois pas comment c'est possible autrement. Notamment Final Fantasy VII Remake, qui est le premier Final Fantasy qui est bloqué au niveau 50. On peut pas monter plus haut. Il y a plein de choses qu'on va découvrir, et à mon avis l'histoire sera différente, puisque l'histoire du Final Fantasy VII Remake sur la période qu'il couvre est déjà très 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 différente. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Je pourrais vous dire encore plein de choses sur Final Fantasy VII, clairement, mais je vais vous laisser le découvrir en tout cas, et surtout si vous avez des questions sur Final Fantasy VII ou si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la bande à Pixel. Bon, bah écoute Sano, merci beaucoup pour tout ça. T'es un peu une encyclopédie sur Final. J'aurais bien aimé aussi avoir Argol, mais bon, il fallait en choisir un de vous pour du Final. Moi, écoute, moi, ça m'a donné envie, je t'avouerai, de le prendre sur Nintendo Switch. Donc, tu vois. Ah, bah, tu peux aussi, effectivement. Alors, petite dernière chose, Final Fantasy VII Remake vient de sortir sur PC. Sur l'Epic Game Store. En exclu sur l'Epic Game Store. Si jamais vous n'avez pas de PlayStation 5, vous voulez le faire dans les meilleures conditions possibles, sachez que vous pouvez aujourd'hui jouer à Final Fantasy VII Remake sur PC. Ah bah oui, dans les meilleures conditions possibles, puisque PC Master Race. Voilà, on va finir là-dessus. Jus, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et avec merci plaisir. Pour cette heure et demie de rétro vers le remake. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Salut.